Ce trésor qu'il avait déniché, ces kilomètres de mousseline, voilà que les ministres en veulent tous. Secrétaire d'État, excellence, fonce sur ses coupes violet parmes, déroule tout sans robe, sans turban avec. Il trouve qu'ils font mieux, plus convenable, en demi-deuil, mais pas assez de mousseline pour tous. Surtout en 5-6 épaisseurs de la tête aux pieds, seulement les ministres. Ils sont contents de leur modèle, la façon qu'ils se boudinent, façonnent, qu'ils se cintrent avec des cordelières. Il y en a plein de wagons, toutes les tentures, rac, vrac. Ils vont débarquer comme ça, violet parmes cintrés, s'ils arrivent. Un moment, notre poussive ralentit encore. Chut, chut, d'un cas ou l'autre, je me dis, quelque chose va survenir. On voit le ballast, on voit les rails. On doit approcher de quelque part. On est en Russie? Je pose la question, demi pour rire. Ça se pourrait bien. En Russie ou à l'armée rouge, ils nous livrent peut-être. Avec les Boches, tout est possible. Faut les connaître. Tout le wagon hurle, prêt pour les Russes. Tovarich, Tovarich! Ils seront pas pires que les Allemands. L'avis unanime. L'alliance franco-russe, et alors, et comment, pourquoi pas, tout de suite, surtout boudiner violet parmes. S'ils vont être bluffés, les Russes, avec eux, on bouffera peut-être. Ça mange, les Russes, ça mange même énormément. Il y a des renseignés dans le wagon. Borch, chou rouge, etc., lard salé. Ils savent ce qu'on va s'envoyer. Moi, je veux bien. Du coup, je les affranchis aussi, la délégation, que c'est moi l'auteur du premier roman communiste qui ait jamais été écrit. Qu'ils en écriront jamais d'autres, jamais, qu'ils n'ont pas la tripe, qu'il faudra bien leur annoncer aux Russes. Et les preuves, Aragon, sa femme, traducteur, qu'ils débarquent pas n'importe comment, qu'ils leur disent bien qui ils sont, et avec qui, qu'il suffit pas de leur parler de Borch, peut-être leur danser une danse triste, avec sanglots. Un petit impromptu accablé. Ils seront pas mal en violet pas. J'ai des idées, mais je les fais pas rire. Moi, mes astuces. Bouffer qu'ils veulent. Gamelle, voilà, c'est tout. Chinois, turc, russe. Mais la clape. Et si on retrouve la LVF? Possible. Qu'il nous mène à la LVF. Possible, on suppute. Alors, on aura de la roulante. Canard ou navet, gnom, gnom, gnom. Et quantité de boules, pardon, que veux-tu? Possible, possible, ah, que ça sera drôle. Mais, brrrt, le train bourdonne, freine. Oui, tout à fait. Et dim, vlam, brum, une fanfare. Un de ces orphéons, haut du remblai. Des Russes? Non, des Boches militaires. Lost Vessel Lead, bien des Boches. Tout en haut du remblai de neige, ils nous roubadent, c'est bien pour nous. Des Fritz, des vrais Fritz. Pas des LVF, ni des Russes. C'est même pas une gare, c'est un arrêt en pleine plaine. C'est Hohenlinchen. On sait pas. Où est l'hôpital? On le voit pas, on voit rien. On voit que le remblai, la fanfare en haut et les Boches. Les Boches en bottes. Leur chef, un barbu, agite sa baguette. Encore une fois, Lost Vessel Lead. Et encore un coup, ils doivent nous attendre, nous, qu'on monte. Leur chef nous fait signe qu'il faut monter. C'est du mal, surtout. Nous, en simple bottine. Tout de même, ça y est, on se donne la main, on ascensionne. On y est. Oh, ils ont pensé à tout. Une valise pleine de butterbrot. C'est pas long qu'on se serve, le temps de faire, ouf, il ne reste plus rien, tout est mangé. Ils jouent toujours le Horst Vessel. On n'a pas de bottes, nous, ils vont nous conduire sans doute. On va les suivre, mais voici un bel officier, et qui nous salue, de là-haut, à côté de la fanfare, du haut du remblai. Il ne nous apporte rien à manger. Il nous prie de nous mettre en rang. D'abord, la justice. Il doit venir pour le protocole. Je vous ai raconté le protocole. La justice d'abord.
la justice qui représente Pétain. Après la justice, la fanfare. Et puis toute la délégation, mais dans un ordre. Oh, oh, mais il change d'air, maintenant c'est plus l'Ours Vessel, c'est la Marseillaise. On va, on glisse, surtout la justice. On leur met debout, la justice. Vous glissez horrible, forcément. Rafale sur rafale. Le vent d'Oural en plein debout, tout le nord, Allemagne d'ailleurs, comme ça. Le vent d'Oural, 6 mois sur 12. Il faut goûter pour se rendre compte. Vous comprenez toutes les retraites, tous les désastres de Russie. Personne peut tenir. Napoléon, petit garçon, Hitler, délirant fétu, vraiment la plaine pas fréquentable. On n'aurait pas, nous, les Vosges, le rempart d'Argonne, on aurait aussi le même Zef. On comprend les conquérants de l'Est, leurs hordes sont folles, ivres de froid. Qu'on les y laisse, écrevés. Qu'est-ce qu'on veut nous foutre? Y foutre, je demande. Faut les représentants de l'heure actuelle, qui n'ont jamais pris la gare de l'Est pour miraginer ce qui s'y passe. Taxi de la Marne et patati, qu'ils y montent. Je vous dis pas les noms des ministres derrière l'Orphéon, le nom des autres non plus. Marion, ça va, vous connaissez. Il marche en queue, c'est sa place par le protocole, le dernier né des ministres. 9 on est en tout. On glisse trop, on peut vraiment plus. L'officier nous remet ensemble, bras dessus, qu'on se rattrape et qu'on redémarre. Où il peut être cet hôpital? On le voit pas. Avec la neige, on voit plus rien. Même agrippés comme nous sommes, on glisse, on n'avance plus du tout. C'est de la patinoire, comme c'est pris. Eux, la fanfare, ils peuvent y aller. Ils ont des bottes à crampons. Ils peuvent la jouer, la Marseillaise. Nous, c'est un miracle qu'on plane pas, foutre pas le camp à dame, tous. Et qu'on se relève plus, qu'on se casse pas tout. Vous pensez, si ça proteste, lentement, lentement, langsam. Ils entendent rien, ils hâtent plutôt. Où nous mènent-ils? Ah, tout de même, quelque chose dans la plaine, là-bas. Ça doit être sur la neige, quelque chose. Loin, un drapeau, je vois, un immense drapeau. Ça doit être pour nous. Flotte, formidable drapeau. Tricolore, bleu, blanc, rouge, juste devant une sorte de hangar. C'est là qu'ils nous mènent, certains. Pas du tout à l'hôpital. L'officier nous fait signe. Halt. La musique aussi s'arrête. Bon. L'officier vient nous dire quelque chose. Bon, on l'écoute. Il parle français. J'ai la douleur de vous apprendre que M. Bicholon est mort il y a 10 jours. À l'hôpital. Il nous montre l'hôpital là-bas. Trop loin pour nous, même pour le voir. À travers cette neige. Il nous dit encore qu'on nous a attendu 10 jours. On arrive trop tard. Bicholon est en boîte. Sur le hangar, là. Maintenant, c'est seulement la question de lui rendre des honneurs. Un de nous veut-il prendre la parole? Personne n'a envie. Trop froid, trop de neige, on grelotte trop. Même si on mitouflait mousseline, tapis double rideau, boudiné, capitonné, c'est à qui claque le plus des dents. Pas question de parole. C'est déjà un drôle de miracle qu'on soit arrivé jusqu'ici, je comprends de mieux en mieux les retraites, qu'ils se couchaient dans le ventre de leurs propres chevaux, à même, les ventres chauds, ouverts, les tripes. Partie horreur, c'est vite dit, non, il n'y a pas de chevaux, il n'y a que cet Orphéon militaire, et ils nous remettent ça, la Marseillaise. Faut qu'on aille alors au hangar rendre les honneurs. C'est nous les honneurs. Qui nous rendrait les honneurs, nous, si on se fend les grades? Comme ça glisse. Personne, pardi. Mais puisqu'on est là, miracle jusque-là, je voudrais au moins voir Gebhardt. C'est lui qui l'a opéré. Il est pas là, je le vois pas. Il est pas venu. Il a trop d'opérations, il paraît. S'il les réussit toutes pareilles, sûrement il tient pas à nous voir. Personne, d'abord, tient à nous voir. Et pas de gamelle, nib. Juste une couronne qu'on nous offre, une couronne chacun, lierre et immortelle.
à force d'efforts et se rattraper, on parvient. Il est là, sous son hangar. On dépose nos immortels. Est-ce que c'est Bichelonne, ce cercueil? Pas confiance avec les Allemands, vous savez jamais. En tout cas, un beau cercueil. Il a plus de compte à rendre à personne, Bichelonne. Nous, un petit peu, c'est pas fini. On a drôlement à s'expliquer, des comptes à rendre à tout le monde, même à ceux qui m'ont tout rasé. Je parle toujours de moi. L'Hamlet, lui, il l'avait facile, philosophie sur des crânes. Il avait sa sécurité. Nous, on ne l'avait pas, nom de Dieu. Thank you.